de ne pas écouter les bruits du monde, écouter le silence de l'âme. C'est-à-dire, tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier, un pilote d'avion, ou tu sais, n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Et c'est ça que j'ai suivi.